Hey, salut tout le monde, c'est Genetics et on se retrouve pour un match sur FIFA 13, donc un match spécial Bundesliga, Champions League allemande. Donc on se retrouve pour un remake Dortmund Bayern Munich. Donc c'est un petit match très très simple là où je vais un peu parler de ce que je vais faire, rien de bien spécial. C'est juste parce que ça fait quelques temps que je n'ai pas eu une vidéo et que je suis assez fatigué, j'ai pas l'envie en ce moment. Donc là, je vous fais une petite vidéo juste comme ça pour parler un petit peu et montrer un petit peu ce qu'il y a, voilà. Donc j'ai déjà mon équipe en tête, forcément. Royce, tu vas venir ici. Shaheen aussi, je le fais rentrer à la place de Bunder. Et normalement, mon équipe est déjà faite. Que je réfléchisse, voilà, c'est bon. J'ai cru Balotelli, je disais ouh, non. Donc, je suis dans Face Commentary, comme vous pouvez le voir, comme ça, ça. Voilà, comme ça, vous me verrez, puis ça sera marrant. Donc, on se retrouve. Bah, alors, moi, je contrôle, vous l'aurez remarqué, le Borussia Dortmund. Je sais même plus comment on dit, le Borussia Dortmund, oui. Donc, c'est parti, écoutez, on va faire ça. Hop, vous m'entendez, c'est parfait. Parc, magnifique stade, extraordinaire. C'est difficile à dire. En tout cas, bonjour et salut à tous. Donc déjà, je tiens à préciser que je fais une vidéo et que dans à peine une heure, je vais voir Very Bad Trip 3 qui sort aujourd'hui, mercredi 29 mai. Les deux formations sont du même niveau. Donc ça va être... j'ai vraiment hâte de le voir et j'ai vraiment tout simplement hâte de le voir. Bon. C'est là qu'on voit quand on fait un match FIFA qu'on est un minimum concentré. Voilà. Quel est mon type de jeu sur FIFA 13? Qu'est-ce que je pourrais vous dire sur concernant mon type de jeu? Alors je joue pas trop en passe à 10. Je suis quelqu'un qui frappe très vite et qui défend pas très bien. Je me suis beaucoup amélioré depuis longtemps. Mais je défends pas super bien. Par contre, je me suis beaucoup entraîné pour les coups francs. Je dis pas que je suis un professionnel, mais j'ai l'habitude de les mettre. Pas tous, mais bon. Je suis quelqu'un qui essaye tout le temps. Donc, je frappe tout le temps. Voilà. Je m'en fous de la distance où je suis. Je tente, c'est tout ce qui me plaît. Je frappe régulièrement à plus de 35 mètres. Et puis voilà, tout simplement, je fonce dans le tas. Je suis pas trop un dribbleur. Je peux dribbler à certains moments, mais c'est plus pour dribbler vite fait que faire quelque chose. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Quelque chose, ouais, c'est la Xbox One où il y a déjà eu les infos dessus. Ce qui m'énerve, moi, c'est que la Xbox One, bon, bien sûr, je vais l'acheter, quoi qu'il arrive. J'ai pu remarquer des choses, c'est que sur les vidéos que j'ai faites, vous manquez de respect un petit peu. Et ça me... Enfin, pas tout le monde, heureusement, il y a vraiment quelques internautes et encore un ou deux. Mais je pense que c'est pas cool de ce que vous faites. De manquer de respect pour en quelque sorte pour protéger votre bien-aimé PlayStation ou Xbox. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je suis que pour la Xbox. Mais j'ai commencé sur PlayStation 2 et pour moi, j'ai commencé sur PlayStation 2 et ça reste la meilleure console, la PlayStation 2. Avec San Andreas, Ratchet & Clank ce genre de jeu. Mais voilà, après je trouve que... Après je suis passé sur Xbox. C'est rare les personnes qui sont sur Sony et qui passent après, mais bon. Et puis moi j'ai fait ça. Et je peux vous dire que je regrette pas. Mais c'est pas pour autant que je vais m'amuser à critiquer PlayStation ou quoi. Bien sûr je défends ma console et je suis comme vous. Je peux très bien dire moi je préfère la Xbox, elle est plus puissante. Certes, mais bon. On va pas parler que de ça, donc je pourrais vous parler de quoi d'autre. Bah sinon il y a 8000 abonnés il y a longtemps même. Enfin pas si longtemps que ça, mais il y a un peu longtemps, quelques semaines, 2-3 semaines. Donc ça c'est cool. Je sais pas si vous remarquez, mais là dans la phase de gameplay que je vous donne, j'arrive pas à jouer.
Je joue pas comme ça normalement, mais le fait d'être. Bon, c'est pas la caméra qui me gêne, mais c'est surtout le fait d'être en vidéo en fait. Voilà, j'arrive pas trop. Bon. Certes, on a un adversaire de taille. Alors, je suis en pro, il me semble. Oui. Ah ouais, ça c'est pareil. Moi, je suis un joueur qui perd souvent en pro. Mais voilà, moi je joue pour le plaisir à FIFA, je joue et j'ai dû faire plus de 1000 matchs, j'adore FIFA, je sais très bien y jouer. Mais je suis pas quelqu'un qui va s'amuser à faire du pro, enfin de l'international ou quoi. Oh là, je pensais vraiment pas qu'il a touché, ça m'a étonné un peu. Alors je suis bon au corner. Oh yes. Oh, Reiss, mon ami. Oh. Je suis bon au corner. Au corner. Oui, au corner. Voilà. Donc voilà, corner. Premier corner que je vous mets et je rentre. Ah, ça part d'une bonne décision. Poteau rentrant, Marco Reiss. Un joueur que j'apprécie énormément. Donc j'ai pas fait les transferts. J'ai déjà fait les transferts pour Monaco et Barcelone. J'ai pas encore fait les transferts pour le Bayern et les départs pour le Dortmund. Tout simplement parce que. J'ai envie de profiter de jouer avec le Dortmund qui est une équipe que j'adore. Mais j'adore aussi le Bayern, ça carrément, j'adore ces deux équipes qui sont juste énormes. Mais je trouve que le Dortmund a plus... oui oh, plus la gagne en ce moment et c'est hallucinant. Bon, même si le Bayern a fait une saison juste magnifique. Même Barcelone ou Real a jamais fait une saison comme ça, c'est vraiment abusé. Ouais. Donc ouais, c'est une équipe que j'aime bien, donc du coup j'ai envie de profiter, donc je garde ça, quoi, tout simplement. Bon, alors il y a 1-0, il me semble qu'il y avait eu 2-1, c'est ça, 2-1, il y avait eu lors de la finale. Ah bah là je vais me prendre un but là. Ah mais ça c'était sûr, et j'ai pas sorti le gardien, ça c'est un défaut de FIFA 13. Le gardien qui sort tout seul. Je suis pas un mec qui fait sortir son gardien forcément toujours. Et voilà. C'est dommage. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être faire une vidéo sur une phase, sur une petite phase de gameplay. Je verrai que ce que je mettrai. Et je vais peut-être parler. Je vous avais déjà parlé il y a très très longtemps d'un projet que j'allais peut-être mettre sur ma chaîne. C'était de vous présenter sous le biais de gameplay et parler un petit peu de choses. Donc, que j'entends parler par ça, c'est-à-dire, j'avais surtout l'idée de parler des nouveaux films qu'il y avait. Je le ferai peut-être. Disons qu'on me l'a. On me l'a conseillé. Voilà. Bien pris par le gardien. Donc peut-être, par exemple, parler, je sais pas, des films en particulier. Pourquoi pas. J'aimerais bien que vous me dites dans les commentaires si ça vous intéresserait. Donc je vous mets une phase de gameplay. Vous pouvez. Je pense que je ferai quelque chose pour que vous puissiez choisir sur quel jeu vous vouliez que je fasse mon gameplay. Entre Far Cry, Sleeping Dog, Just Cause, GTA, FIFA. Oh non. Oh, je suis. Je suis trop con. Alors j'adore contrôler le gardien, malheureusement. Je me suis trompé de touche au moment de le faire venir à gauche. Enfin à la droite, et je l'ai fait venir à gauche. Je vous montre un match très nul. On va essayer de se rattraper. Ah, je suis dommage. Bon, après je m'en fous si je perds le match. Sérieusement, c'est juste un match comme ça. J'embête le gardien là. Manuel Neuer, qui est très bon gardien. L'année dernière, je trouvais que c'était le meilleur gardien au monde. Mais là, c'est vrai que cette année, il n'a pas montré grand-chose. Mais on peut plus dire que c'est Casillas le meilleur au monde. Parce que après ce qu'il a montré... Oh là 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 là. Ouais, Casillas, c'est dommage. Franchement, c'est dommage que Mourinho l'ait pas choisi comme gardien titulaire. Parce que Diego Lopez, il a montré... Bon, bien sûr, après, je comprends totalement le fait que Diego Lopez est beaucoup mieux montré. Mais bon. Il a pas mérité sa titularisation à 100% Diego Lopez. Donc ça je comprends pas beaucoup. Mais bon, tant pis. But. Ah, this is the trolling. Boom, dans les pieds directement peut-être. Ouh, alors lui il m'a sauté. On était pas loin de la faute. D'ailleurs, si j'avais quelque chose à faire, je ferais tirer les coups francs avec Marco Reiss, qui est bien. Oh, mais qu'est-ce qu'il me fait ? Qui est bien bon au coup franc. Sinon, il y a eu quoi d'autre comme transfert ? Ah, ouais. Allez, Godze.
Qu'est-ce qu'il a le gardien? Donc il y a eu Götze et Lewandowski qui seront l'année prochaine au Bayern Munich. Ça c'est assez cool, ça va être marrant de voir ça. Après il y a eu Marco Reus, qu'est-ce que je dis, moi je suis dans mon délire. James Rodriguez, Joao Moutinho. Ah bah je vais me louper là. Et puis Falcao, donc ça c'est pas encore sûr pour Falcao, mais je pense que vous devez le savoir. Il devrait bientôt pas tarder. Après il y a Victor Valdés aussi. Qui devrait rejoindre. Alors j'ai plus beaucoup de batterie dans ma caméra, donc si jamais, là je peux pas voir en fait, mais si jamais ça s'est éteint, bah voilà, vous saurez pourquoi. Vous m'entendrez de manière toujours, mais voilà, écoutez. Il n'y aura plus de caméra. Bon, je sais pas si ça filme en fait. C'est vachement stressant. Oh, non, alors. Eh bien. Aïe. Ah, ça passe, ça passe. Olé, oh là là, ça c'est pas beau ça. Ah là, ça c'était sûr. Alors, ça serait bien qu'elle sorte là. Oui, elle sort. Non, oui, je sais pas si je l'ai touché. Il me semblerait que je l'ai touché. Ouais, je l'ai touché. Malheureusement, c'est pas une vidéo là où je fais de gros buts très techniques, de dribble, tout ça, mais ça viendra si je vous fais plusieurs phases de gameplay sur FIFA. On peut s'attendre à quelque chose de marrant. Alors là, on est sur du 2-2. On va peut-être faire du 3-2. Parce que non. Sur ce contre. Ah, ils ont pas très bien joué le coup, les attaquants sur ce contre. Là, je joue mal. Sur cette passe. Mourinho le pied de Robben. Non, ouais, Schweinsteiger surtout. Schweinsteiger. Kroos. Je le vois pas marqué. Kroos. Ah, voilà. Van der Weyl. Bon, il a une grosse frappe, mais bon, là, quand même, c'est un défenseur. Donc, Mourinho à Chelsea, je trouve que c'est pas mal. Ça va faire du bien au Real Madrid. Et en plus, on a Ancelotti qui va rejoindre, donc c'est un bon entraîneur. Juste qui parle un peu mieux français, parce que ça. On comprend pas tout, quoi. Oh, magnifique contrôle de Lewandowski. Ah, il a pas tiré. Alors on est sur du 2-2, j'espère pas faire les prolongations. Parce que j'ai pas. Oh, si j'ai le temps, c'est pas que j'ai pas le temps, mais. Il y a Deriva Trip 3 qui m'attend quoi. Oui. Bon gênissement sur cette passe. Alors ça c'est aussi quelque chose qu'on pourrait dire dans FIFA 13. C'est que les enroulés dans FIFA 13 sont pas du tout comme FIFA 12. Certes FIFA 12 était un petit peu cheaté, mais FIFA 13 c'est le contraire. Donc il faudrait trouver un juste milieu dans FIFA 14, ce serait bien. Parce que là, je pouvais faire une frappe en force, mais elle n'aurait pas été enroulée. Timo Chuck, ah, il me fait délirer ce mec. Voilà, tout simplement. En plus, là, j'avais peut-être le marqué, j'étais un peu tout seul. Aïe, aïe, aïe. Hop. On va faire du sauvetage plus qu'autre chose. Javi Martinez. Bon. Pas trop quoi vous parler d'autre sur ma chaîne, ce qu'il va y avoir. Oui, il faut tout donner. Et le but de Marco Reus, le doublé. Et voilà. Et voilà. Donc je sais pas trop quoi faire. Ce que je disais sur ma chaîne, les nouvelles choses que je vais faire. Déjà Tomb Raider c'est fini, enfin ne vous inquiétez pas, les derniers épisodes vont sortir, mais après il y aura plus de vidéos sur Tomb Raider. Tout simplement parce que je l'ai plus. Pour des raisons. Et j'ai pas fait de gameplay dessus. Bah c'est pas un jeu à gameplay du tout. Multijoueur je parle. Et puis le solo, étant donné qu'on l'a terminé après, ça reste un jeu qui est un peu pauvre, on va dire, quand on l'a terminé. Même si je m'attendais vraiment pas à ça, c'est un peu comme Far Cry. C'est un jeu qui reste pauvre à la fin. C'est dommage. Alors peut-être qu'on pourrait s'attendre à un autre but. Oh, passe déterminante, peut-être on est pas loin des buts. Oh oh oh, Shaheen. Ce qui est bien, c'est que dans les Shaheen, il a fait le Real, il a fait Liverpool, il est revenu au Real, il est allé à Dortmund, il a fait tous les clubs. Lui, c'est un mec, il est en prêt tout le temps. Mec, on veut pas l'acheter, on veut le prêter.
Le mec, c'est un jouet. Bon, bref, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Certes, c'était une vidéo, on va dire, mauvaise. On va dire ce qu'il y est. Mais bon, je gagne la vidéo. Je gagne la vidéo. Je gagne le match. Et puis, j'espère que cette vidéo vous aura plu avec but doublé de Götze et un but de Royce. De Götze, excusez-moi. Et Ribéry-Schweinsteiger, un bon duo. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous invite vraiment à liker, ça fait avancer les choses, ça fait plaisir et ça m'incite à continuer mes vidéos. Sur ce, vous pouvez me dire sur quoi vous voudriez que je fasse des vidéos. En ce moment, je lance un petit sondage, une petite question, alors ça serait bien que vous y répondiez. C'est sur quel jeu vous voudriez que je fasse une vidéo. Voilà, donc sur quel jeu et aussi sur quel thème. Une autre vidéo sur quel thème. Donc un thème, c'est pas un jeu, un thème, c'est n'importe quoi. Donc dites-moi un thème, ça peut être, je sais pas, des... Le high-tech, les prochains jeux, des infos, enfin ce genre de choses, voilà. Donc écoutez, je vous dis ciao tout le monde, peace out, à la prochaine, et puis merci d'avoir regardé cette vidéo, et puis j'espère vous revoir à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur FIFA 13, et tout simplement sur ma chaîne YouTube, voilà. Ciao tout le monde!